Me voici avec la reine des prés en fleurs, le stade idéal pour l'accueillir, soit pour faire des infusions qui vont calmer la douleur, les douleurs osteo-articulaires notamment, la fièvre aussi, soit pour aromatiser par exemple des laits végétaux ou des laits normaux, pour faire des crèmes dessert ou encore des glaces, ou tout type de sauce ou encore de boisson parce que c'est trop bon. Voilà, regardez à quoi ça ressemble de plus près. Très mellifère également. Et regardez les feuilles. Cette nervure principale rougeâtre, on parle de feuilles composées. Et puis voilà, vous voyez, on a des folioles plus ou moins grandes avec des toutes petites et la terminale encore plus grande et trilobée. Voilà, chers amis, pour la reine des prés. À la prochaine, abonnez-vous. Ciao!